Il y a quelques années, on m'aurait dit, Florent, tu jouerais en Division 1 à Charleroi et tu jouerais une Coupe d'Europe peut-être, j'aurais jamais cru. Donc maintenant, voilà, j'y suis. Hein. C'est tout un travail que j'ai réalisé depuis plusieurs années. Donc maintenant, j'y suis et il ne faut pas que je m'arrête là. J'espère faire une belle aventure ici avec le Sporting. Pendant ma saison avec Serein, j'ai suivi un peu le championnat belge. En sachant que les clubs te suivent un peu, tu regardes un peu leur parcours. Il n'y a que à partir de l'année dernière que j'ai suivi vraiment le Sporting. Mais non, il n'y a pas eu de changement, c'est juste qu'il ne faut pas y penser et juste être là quand il faut, répondre présent. Donc voilà, je vais travailler au quotidien et tout donner aux entraînements. Et puis maintenant, après, ça sera au coach de faire les choix. Et voilà quoi. Dans une équipe, il faut toujours de la concurrence. Donc ça sera vraiment important pour nous de se battre tous les jours aux entraînements. Et puis celui qui sera meilleur jouera. L'arrivée de Roman, c'est un peu comme moi, je pense. Hein, il a connu des basses divisions. Donc voilà, maintenant, ça sera à nous de travailler sur ça et tout donner. Mais même pour David, hein, David Paulet, c'est quelqu'un, quand on connaît sa carrière professionnelle, je pense qu'il peut, ensemble, on peut apporter beaucoup de choses. Et lui, surtout, la première qualité qu'il a, c'est son expérience. Donc comme il a connu déjà la Division 1 depuis quelques années, ben voilà, c'est un plus pour nous. Bah, c'est un plus dans l'intégration, parler français en sachant qu'il y a pas mal de français, c'est toujours intéressant. Hein. Donc voilà, c'est super pour l'intégration.